Didier Saint-Lary, moi je suis médecin généraliste, je suis installé dans les Yvelines. Je suis professeur de médecine générale à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et je préside le Collège National des Généralistes Enseignants. On a eu la chance et la joie d'être sélectionné pour le prix coup de cœur du jury. Voilà. Le projet P4DP a pour objectif de constituer le premier entrepôt de données de santé en ville de médecine générale auprès des médecins généralistes, sécurisé et chaîné avec le SNDS et en lien avec le Health Data Hub. L'objectif, c'est de permettre de faire de la recherche à partir des données générées par les médecins généralistes et qui incluent des données cliniques, ce dont aujourd'hui on ne dispose pas en France. Nous avons candidaté au talent de la e-santé, parce qu'il nous semblait que c'était une belle manière de donner une visibilité encore plus forte au projet. Le projet est bien identifié dans la communauté des médecins généralistes en France, mais on pense que maintenant il a atteint une phase de maturité suffisante pour que le grand public le découvre également, et puis on est très heureux de voir qu'il a remporté le suffrage du jury avec ce prix coup de cœur. J'ai des tonnes de remerciements à faire. Je voudrais remercier d'abord l'ensemble des partenaires, parce que le projet P4DP, c'est avant tout un consortium d'acteurs. Et puis on travaille évidemment avec un industriel de la data, qui s'appelle Lomix. On travaille également avec le Health Data Hub, dont on est partenaire, donc qui va nous aider à chaîner les données et nous assurer aussi de toute la sécurité autour de cet environnement numérique. Et on travaille avec un CHU, qui est le CHU de Rouen, qui a un département informatique médical particulièrement compétent. On travaille avec l'université Nice-Côte d'Azur, qui est très impliqué aussi sur les questions de numérique en santé, et avec l'Université de Normandie.